Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième make-up de cette série Make-up Sailor Moon. Donc aujourd'hui, comme vous l'aurez deviné et comme vous l'avez vu dans le titre évidemment, on se retrouve pour le maquillage de Sailor Mars, qui est une de mes Sailors préférées avec Sailor Pluton. Donc j'avoue que j'ai adoré vous filmer ce make-up. Donc pourquoi, du comment? Bah évidemment je vous mettrai comme d'habitude la petite photo. Donc en fait Sailor Mars c'est une personne qui a une colorimétrie plutôt rouge et qui gère tout ce qui est talisman et feu. Donc voilà. Voilà, ce qui explique que j'ai fait la fin d'un de ces talismans, j'ai fait une petite flamme ici. Bref, je trouve que je m'en suis plutôt pas mal sortie, je sais pas trop ce que vous allez en penser. En tout cas, voilà, je me suis inspirée un petit peu de ce qu'elle contrôle et de ses couleurs, et j'avoue que je suis très très contente du résultat. C'est vraiment à la hauteur de ce que je pensais et de mon petit croquis, donc je suis très très fière de ce que j'ai fait, j'avoue. J'ai pas honte de le dire. Du coup, bah évidemment, je vous laisse avec le tuto et puis on se retrouve à la fin. Alors avant de commencer ce tuto, j'ai appliqué mon fond de teint de chez W7, le concealer qui va avec, ma poudre Too Faced et ma primer potion de chez Urban Decay. Alors hors caméra, je suis venue tracer l'esquisse de ma flamme parce que je me suis dit que ça en caméra c'était juste trop compliqué. Donc j'ai tracé ça d'abord au crayon rouge de la marque Essence et avec un liner de chez NYX, le Epic Wear. Ensuite, je prends la Ruby Obsession de chez Huda Beauty et je vais prendre le rouge le plus foncé avec un pinceau très très fin pour venir un petit peu remplir l'intérieur de mes flammes de manière assez précise et ensuite on viendra éclaircir avec une autre couleur. Ensuite, je reprends la palette et je prends le fard rouge un petit peu plus clair que vous trouvez en bas à droite de la palette. Et du coup, on va venir créer un genre de dégradé. J'avoue que ça se voit pas tant que ça, mais je trouvais que c'était quand même essentiel de faire un dégradé de rouge et pas juste mettre un rouge. Puis je prends un pinceau en silicone pour mieux prélever les pigments et je vais prendre les rouges irisés que vous trouvez sur la première rangée au centre. Et donc je vais venir appliquer ça du coin externe jusqu'environ le milieu de la paupière pour ensuite appliquer une couleur beaucoup plus claire sur le reste de la paupière et jusqu'au coin interne. Et avec l'autre face du pinceau, je prends la couleur beaucoup plus claire du coup que vous avez vu à l'écran pour mettre, comme je l'ai dit précédemment, sur le reste de paupière. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'autre œil. Donc, du coup, j'ai déjà mis un morceau de scotch et je reviens prendre le rouge foncé du début avec un pinceau 231 de chez Jessup. Et du coup, je vais venir créer un petit peu comme on avait fait pour Mercure, une sorte de petite pointe rouge foncé qu'on viendra estomper avec une couleur plus claire. C'est vraiment le même système que pour Mercure, en fait, pour le coup. Comme vous le voyez, je nettoie mon pinceau dans mon petit nettoyant à pinceau de chez Primark et je reprends la couleur rouge un peu plus claire de tout à l'heure pour appliquer sur le bord en fait de la couleur et vraiment l'estomper. Et on n'hésite pas à l'étirer un petit peu plus loin que le sourcil étant donné que les flammes elles sont quand même très très longues. Comme ça redonne un petit peu cet aspect vraiment fumé et assez élargi en fait. Et ensuite, pareil que pour l'intérieur des flammes, on va reprendre le pinceau en silicone avec les deux mêmes couleurs et du coup, je fais exactement la même chose en fait sur la paupière. Hors caméra, je vais aller faire mon liner. Donc là, c'est le Tarte East de chez Tarte évidemment et je vais mettre le mascara, donc le World The Hype de NYX. Et également, je vais aller venir mettre du bronzer. Donc là, c'est le trio de chez NYX que je vous parle tout le temps. Et j'applique également le blush de chez Too Faced, le Cherry Bomb. Voilà, et du coup, pareil, j'en ai profité pour dessiner un petit peu le talisman sous mon œil. Et je vais faire, comme tout à l'heure, avec le liner de chez NYX et le crayon, le petit symbole de Mars sous mon autre œil. Ensuite, je prends un rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora. Là, c'est le Always Red, teinte 01, je crois. C'est le rouge par excellence qui est très très connu chez Sephora.
Je prends ma brume fixatrice de chez Morph qui sent la pêche. C'était une collab et que j'ai testé aussi dans un Get Ready With Me avec vous. Elle est vraiment bien cette petite brume, elle est très légère. J'ai rajouté un lip strobe de Huda Beauty, je crois que c'est le Shameless, quelque chose comme ça. Et je vais venir mettre de l'highlighter, donc c'est la petite palette It's Glow Time, je crois, de chez Essence. Et je prends la teinte du centre, que vous savez que j'adore énormément. Et donc je vais appliquer ça, comme toujours, au niveau de mes petites joues, n'est-ce pas? Et voilà, le look est terminé. Et voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'avoue que j'ai vraiment bien aimé ce make-up là. Je pense que vous allez voir que chaque make-up va aller un petit peu en gradation. J'ai essayé de faire un petit peu en sorte qu'ils ne se ressemblent pas et qu'ils soient un petit peu tous uniques et à ma façon de voir les choses. Du coup, je vous attends avec grand plaisir dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner toutes vos impressions si vous trouvez que c'est réussi, si c'est pas réussi, si c'est bien, si c'est pas bien. Enfin bref, toutes vos impressions quoi. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, ça me ferait toujours plaisir si jamais vous pouvez partager un petit peu tout ce que je fais en général, ça me donne un peu plus de visibilité ainsi que les likes. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous êtes tombé sur mes vidéos avec cette vidéo. Ben je vous invite à vous abonner, ça me ferait super plaisir que vous regardiez les autres vidéos que je poste. Et bienvenue à celles et ceux qui comptent s'abonner. Du coup, je vous laisse, je vous fais plein de gros gros bisous et puis ben, on se retrouve très vite dans une autre vidéo. Bye bye, ciao ciao!